church. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Papa, Simon, Kimbangu, Kiamani, Moni Mosan, Olinga, Olinga, Oute, Oute, Yeka, Yeka, Yeka! Pour papa! Nous mourons! Pour papa! Nous mourons! Pour papa! Nous mourons! Nous mourons! Nous mourons! Bonne à papa! Papa, Tokowa, Bona papa, Tokowa, Tokowa, Tokowa. Pati mère, oye. C'est qui qui a papa toujours à l'avant, tout est bon. Et vous, oye. Yavetoy. Et Mbadi. Yavetoy. Et nous, oye, Kouloye. Yavetoy. Et Angalala. Yavetoy, Sotaké. Et c'est quoi, oye, c'est quoi, oye. We'll be right back.
Mase bato. Bato oyo bazali na bato. Na likolo kaka. Makambo makambo ezala malamu. Soyi makambo ezala malamu kitoko penza.
lecture et absorption. Ambassadeur Azali, représentant personnel et chef de l'État. Donc, le Colatomoni, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, la République française Awa, et Zali, le Colatoyambi, Motindami, ya papa président François Hollande. Si l'Azami ou Kansila, Moukimwa na Yame. Elame se salu kyangu danzambi, si lwanzambi ukansila, muki mwana yame. Elame se salu kyangu danzambi, keleka, mukeleka. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu des anges, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, c'est toi, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, en toi la Sainte Trinité, dont Papa Tisolo Kelelukelo Charles Daniel, Dieu le Père, glorifié et te magnifié. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ta bonté est immense et ton amour infini. Pour tout ce que tu as pu faire pour l'homme noir, nous pouvons-nous te donner de plus cher, rien que ce mot merci, en ces jours du 23e génération. Papa, il est venu pour nous voici réunis auprès de toi, tous tes enfants Kimbangi, tous les mouvements, toutes les actions. Et il avait été dit en 21, te remercions pour les avoir gardés, préservés, contre les faux pas et les empires du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Saint-Esprit, nous passons à la lecture biblique. Nous allons lire dans le livre des Psaumes,
40e chapitre, allant du verset 2 au 6e. Nous lisons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, « J'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés à l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sans confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Priez ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bokanisa basinanga na mokili pona bino etola motema embonanga ebelemi aose supama. Kamba oye! Kamba oye! 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 Te singi lisus ba. Yamwana Molimo Sainte. Merci. Yamwana Molimo Sainte. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'ADC Wolf Walter Jean-Pierre, qui est assistant attaché de défense près de l'ambassade de France. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour que le kimbaguiste puisse vous saluer. Faki Yaye, commissaire Tuyaboulé, saluons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, vous pouvez. Nous allons progresser. Nous allons maintenant demander au colonel, pardon, à M. Mathieu Juin Lévite, qui est délégué général de l'Alliance française en RDC, de bien vouloir s'élever pour que les Kimbanguistes puissent le saluer. C'est...
Saint-Esprit. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est l'organe de l'ambassade ou de la représentation de la France ici qui s'occupe de tout ce qui est coopération dans ceci et dans cela. Donc, ce grand monsieur que nous voyons, il est un gros et grand monsieur pour nous aussi. France, oyez! Oyez! France, oyez! Oyez! Nabanza, le président François Hollande, Agoyoka, Ketoyambi Bapayanaï, V temporel, qui lui est l'attaché de défense près de l'ambassade de France en RDC. Il est également le chef de la mission des coopérations de sécurité et de défense en République démocratique du Congo. Un grand monsieur pour le militaire et pour la République. Faki Sepelisseye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, vous pouvez vous asseoir, mon colonel. Maintenant, avant de saluer Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous allons entendre un petit mot de la part du cabinet. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, accrédité en République démocratique du Congo. Ambassade de France à Kinshasa, Messieurs les conseillers, aux révérends représentants légaux suppléants de l'Église kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités, révérends pasteurs de l'Église kimbanguiste, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ces jours mémorables que nous marquons par une pierre blanche sur le chemin de l'histoire du kimbanguisme, nous avons le grand honneur de prendre la parole pour souhaiter, de la part de Son Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, et de tous les kimbanguistes, la bienvenue à Son Excellence Monsieur Alain Rémy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, accrédité en République démocratique du Congo, et à toute sa suite. Pour la première fois, la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbanguiste, est honorée par la visite de l'ambassadeur de la République française. Visite revêtue d'un cachet particulier du fait qu'elle a lieu durant l'année du centenaire de naissance de Son Éminence Dialunga Nakiangani Salomon, deuxième chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste et second fils de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'Église kimbanguiste, que nous célébrerons le 25 mai 2016. Les kimbanguistes sont heureux de recevoir cet illustre visiteur qui, malgré ses multiples préoccupations afférentes à ses très hautes fonctions et malgré l'état difficile de la route, plus particulièrement du tronçon carrossable de Mbanzangungu en Kamba, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, est venu sur cette colline sainte de Nkamba, jadis village natal de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, pour y rencontrer Son Éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, représentant légal, et derrière lui, l'ensemble de fidèles kimbanguistes. Puisse Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous permettre de rappeler que c'est dans ce petit village que Papa Simon Kimbangu, alors catéchiste protestant, avait reçu la mission de sauver l'homme du mal, appel qu'il avait accepté. Et c'est sur cette colline sainte, après son premier miracle public de guérison de Mama Kiantondo, le mercredi 6 avril 1921, que Papa Simon Kimbangu exécuta l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ en enseignant l'Évangile, en guérissant des malades, ressuscitant des morts, libérant des possédés, prophétisant et œuvrant pour l'égalité entre les hommes sans distinction de race, etc.
C'est également sur cette colline sainte qu'en 1921, Papa Simon Kimbangu prophétisa disant, je cite, « Vous accueillerez toutes les nations, car Jésus-Christ vous rassemblera. Ne l'oubliez jamais. » Prophétie que nous chantons en langue Kikongo et que du reste la Faki vient d'exécuter tout à l'heure. Et aujourd'hui, encore une fois, cette prophétie s'accomplit par la visite de votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Et c'est sur cette même colline sainte, enfin, qu'il fut arrêté le 12 septembre 1921, après l'échec de la première tentative le 6 juin 1921, pour être conduit à Tisville, actuellement Banzangungu, où il sera jugé, condamné, puis relégué à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, à la prison centrale de Kasombo, d'où il nous quitta physiquement le 12 octobre 1951, c'est-à-dire après 30 ans d'emprisonnement. Nkamba, village de jadis, est devenu aujourd'hui la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme, siège international de l'Église kimbanguiste et trône de la Sainte Trinité. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, accrédité en République démocratique du Congo, Monsieur l'Attaché de Défense de l'Ambassade de France, Messieurs les conseillers d'ambassade, révérends représentants légaux suppléants de l'Église kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités, aux révérends pasteurs de l'Église kimbanguiste, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous aimerions ici souligner la joie, nous dirons même plus, la liesse populaire de kimbanguiste en ces moments historiques, car l'arrivée de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France ici, en Kamba, prouve à suffisance les excellentes relations qui existent entre la République française et l'Église kimbanguiste. Point n'est besoin de rappeler que la France était la première puissance à reconnaître l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. En effet, c'est en 1958 qu'elle accorda l'autorisation de culte à l'Église kimbanguiste au Congo français, suivie par l'octroi du récépissé du ministère de l'Intérieur numéro 662, barre intérieure, barre AG, du 26 mai 1961, conférant à l'Église kimbanguiste la personnalité juridique dans la même colonie française, actuelle République du Congo. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous ne pouvons clore ce mot sans nous solidariser avec le peuple frère de France, qui a su faire face aux agressions barbares perpétrées contre lui par des organisations inciviques. Nous saisissons également cette occasion pour remercier Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui, par son courage, sa volonté, sa détermination et sa clairvoyance, a su procurer la paix à toute la République démocratique du Congo. Paix qui permet à tous de pouvoir circuler paisiblement sur toute l'étendue de la République. Nous voulons ici réitérer nos remerciements à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et à toute sa suite, pour avoir choisi de venir rencontrer Son Éminence, Simon Kimbangu Kiangane, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbanguiste, et cela malgré l'état difficile de la route. Ainsi, tous les kimbanguistes rangés derrière sa divinité, Simon Kimbangu Kiangane, vous souhaitent la bienvenue. Vive la France ! Vive la France ! Vive le président François Hollande ! Vive le président François Hollande ! Vive la République démocratique du Congo ! Vive la République démocratique du Congo ! Vive le président Joseph Kabila Kabange ! Vive le président Joseph Kabila Kabange !
Vive l'église kimbanguiste. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyé! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyé! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyé! Je vous remercie. Peu chez moi. Très bien.
C'est avec beaucoup de bonheur et en même temps un très grand respect que je me trouve, nous nous trouvons avec ma délégation chez vous, à Nkamba, dans la Nouvelle Jérusalem. Ceci a été dit plusieurs fois, c'est vrai que le chemin pour y arriver n'est pas toujours facile, mais je dirais que c'est davantage une incitation à progresser qu'une envie de reculer qui vous saisit quand vous parcourez cette route. Et d'arriver ici, en arrivant ici, on découvre eh bien, qu'on a bien fait de progresser. Car quel accueil chaleureux, quel accueil simple en même temps, vous nous avez réservé. Et je dois dire que le ciel, votre éminence, le ciel s'est mis à partie. Et en voyant le temps qu'il faisait ce matin à Banzagungu, quand nous sommes partis, j'étais loin de penser que nous serions sous les parasols à Nkamba, à la Nouvelle Jérusalem. Je veux vous dire aussi que j'ai vécu pendant 4 ans, j'ai travaillé pendant 4 ans à Jérusalem. La Jérusalem d'origine, la ville, non pas l'ancienne, toujours actuelle. La ville 3x5. Et que c'est évidemment avec une grande émotion que je me trouve aujourd'hui dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est aussi pour moi une source de respect pour vous-même, votre éminence, et pour tous vos jeunes réunis ici. Je suis heureux d'avoir entendu rappeler que, effectivement, la République française a toujours eu à l'égard de l'Église kimbanguiste, pas tout à fait depuis sa naissance, mais depuis très longtemps, une attitude de respect et de coopération. Et je suis heureux de découvrir physiquement, des visu, la capitale de votre Église, le lieu de naissance de votre enfant, de votre arrière-grand-père, si je ne me trompe pas. C'est bien cela. Eh bien, tant mieux. Donc merci à vous, merci à vous tous, merci pour votre accueil à nouveau, et que vive l'Église kimbanguiste et que vive la RDC, que vive les relations entre la France et la RDC. Merci, votre éminence. Nous allons le remercier pour cela. Au nom du ministère de Yaboulé, on convoie Tata, et à moi, là, Moli-moi ça. Sika, je reviens à ma maman Nabiso, maman révérente, au Télima, pour être du Soban à la vidéo de Pessayo, Mote Fakim. Au combat de la, et à moi, non, je m'en ai mon sang. Maman, je vous comprends. Sika, le bon maman, pour tout la beauté de l'émission, ma papa n'a vu ce moment, mais balai, ma papa conseiller direct, beauté de ma vie, ce moment, la vie, notre fesse, la vie, non, beauté! Papa n'a vu ce mot et à l'opum et à ce mot, la communiste à Tchaboulé. Oh, comment ça? Oh, la mozole va y occuper. Je vais aller là. Je vais savoir, papa n'a vu ce mot. Papa conseiller, oh, Bazalaka n'a vu ce tchangonios. Bangonde Bazalaka, ma souffleur et à mon. Oh, comment ça? Yamona, moi, mon sang. Papa, le
Bazaré pour lier la tête à notre maison. Qui m'a dit que, oh yeah!